P. Diddy, la star, associe sa marque de vodka Cyrock à la NBA. Don't you be holding back your love, don't you be holding back. Don't you be holding back your love, don't you be holding back. Cause in the end you're going on another round. Après la création de sa chaîne de TV Revolt, le producteur et rappeur P. Diddy, nouveau nabab de l'Amérique, vient de lancer un accord de commercialisation sur plusieurs années entre sa marque de vodka Cyrock et la NBA. La campagne de pub sera appelée The Toast of the NBA. Cyrock s'occupera de sensibiliser les fans de la NBA sur la consommation de l'alcool sur le territoire américain. Cette annonce indique aussi un partenariat plus large conclu avec la NBA par Diego, le leader des boissons haut de gamme dans le monde et maison mère de Cyrock. On apprend aussi que la NBA et Cyrock produiront une série de clips vidéo incluant des messages publics avec des stars de la NBA. Solange Knowles, grand écart entre mode et musique. Chanteuse Solange s'illustre déjà avec succès dans une carrière de chanteuse sur les traces de sa sœur Beyoncé, consacrée star planétaire par les millions d'albums vendus à l'échelon de tous les continents. À marge de ses divers projets artistiques, la création de son label et l'éducation de son fils, la jeune femme s'adonne aussi à la promotion de sa seconde passion, la mode. C'est ainsi que depuis plusieurs mois, la belle occupe le poste de directrice artistique de la marque Puma, avec laquelle elle développe des collections dont fait partie la ligne Girl of Days, qui rencontre un réel succès. Rappelons aussi que Solange Knowles prend également part au tournage de nombreux films. C'est dans le film American Girl 3 qu'elle a fait sa dernière apparition sur grand écran.